On est vendredi, voilà, donc c'est la vidéo pour le concours, les cartes que j'ai reçues. Alors, cette semaine, j'en ai reçu une, deux, trois, quatre, cinq, six. Coucou, je suis là. Voilà, Fifille, hein, qui vous montre ses fesses. Donc, j'en ai reçu six cette semaine. Donc là, j'ai encore ouvert aucune enveloppe, j'ai pas eu le temps. Je suis surbookée avec le déménagement, hein, enfin la préparation du déménagement. Donc, pour celles qui ne savent pas, ça y est, on a visité la maison. Donc, ça y est, on l'a accepté et on va signer le bail la semaine prochaine. Donc, c'est jeudi le 28. On signe le bail, on a les clés en même temps. Donc, il va y avoir l'état des lieux, etc. Et on fait le déménagement complet le 7 juillet. Voilà, on emmène les meubles le 7 juillet. Donc, il y aura un laps de temps où vous n'allez pas me voir sur YouTube. Hein, je suis désolée, mais bon, là, y a les obligations qui vont faire que. Donc, je vous dis ça pourquoi. Sur la dernière vidéo, comme je vous avais dit, j'ai mal choisi ma date pour faire le concours. Et justement, par rapport, par rapport au tirage de sort, voilà, je continue à chercher mes mots. Hein. Alzheimer est toujours là, hein, chez moi. Donc, vous allez avoir droit à des jours supplémentaires. Youpi! Pour celles qui n'ont pas encore participé ou qui pensaient qu'ils n'auraient pas le temps de participer au concours. Donc voilà, vous allez avoir droit à des jours supplémentaires pour faire vos cartes si vous souhaitez participer au concours. Donc je vais rallonger le concours. Donc, au lieu que je fasse le tirage, au lieu qu'il s'arrête le 5 juillet et que je fasse le tirage au sort le 10, je pense, ouais, j'avais dit le 10, je vais rallonger le concours jusqu'au 15 juillet. Voilà, donc jusqu'au 15 juillet, vous pourrez m'envoyer vos cartes. Alors, par contre, du coup, le 7 juillet, moi, mes meubles seront de l'autre côté, donc on dormira à l'autre logement. Mais vous affolez pas, moi j'ai encore mes clés ici jusqu'au 20 juillet. Donc, s'il y a encore du courrier qui arrive ici avant cette date-là, il n'y a aucun problème, je pourrai le récupérer. En sachant que quand même, je vais faire un suivi de courrier, donc qui arrivera à ma nouvelle adresse. Et pour celles qui voudront envoyer leur courrier donc à partir du 7, vous m'enverrez un email pour que je puisse vous donner ma nouvelle adresse. Voilà, tout simplement. Et comme ça, je vous donnerai donc ma nouvelle adresse et vous enverrai directement là-bas à ma nouvelle adresse. Je pense avoir été clair. Hein. Donc jusqu'au 7, vous pouvez m'envoyer ici, même un peu plus. Hein. Mais de toute façon, il y aura un suivi de courrier, donc ça arrivera chez moi. Mais en sachant qu'un suivi de courrier, ça prend un peu plus de temps. Mais à partir du 7, vous me demanderez ma nouvelle adresse et moi je vous la donnerai même avant, hein, de toute façon, comme j'ai les clés de 28, moi la boîte aux lettres sera déjà disponible là-bas, donc je pourrai déjà récupérer le courrier avant, puisque moi je vais y aller pour commencer à nettoyer, pour voilà. Donc, si vous voulez ma nouvelle adresse, donc
on va dire après le 28 juillet, ouais, c'est plus simple. Après le 28 juillet, je vous la donnerai pour que vous puissiez envoyer vos cartes. Voilà. Et je continuerai à faire une vidéo comme je peux en vous montrant les cartes que j'aurai reçues. Donc, le concours est rallongé donc jusqu'au 15 juillet. Et donc, le tirage au sort se fera dans les 10-15 jours qui suivront la réception des dernières cartes. Voilà. Je suis claire, hein? Oui, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions en commentaire et il n'y a pas de souci, je vous expliquerai. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, je vais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Et donc, en même temps, je n'ai pas encore pu faire de photos de la nouvelle maison parce que le gars qui nous a fait visiter la maison, ben, il était pressé, hein. Donc, dès que j'aurai les clés le 28, j'aurai plus de temps pour faire des photos. Et je serai plus à l'aise qu'avec le gars derrière moi pour faire les photos et pour vous faire donc une vidéo. J'essaierai un peu de filmer. En tout cas, on est super content parce que la maison est super. Tous les murs sont blancs. Donc, comme ça, on va pouvoir faire à nos couleurs. Moi, j'ai déjà été chercher la tapisserie et la peinture pour la chambre. Donc, je sais déjà ce que je vais faire. Je vous montrerai sur une vidéo. Alors, ici, c'est Annie. Donc, c'est Nanny Scrap. Je vais mettre la boîte sur le côté. Alors, elle m'a fait une carte et la carte qui est demandée pour le concours. Il n'y a rien qui est tombé dans le fond, hein, on ne sait jamais. Donc, d'abord la petite carte. Regardez si elle m'a mis un petit mot. Oui. Alors, merci. Merci pour ce petit concours pour lequel j'ai plaisir à participer. Merci pour tes vidéos tuto et vidéos scrap room. J'aime beaucoup les regarder. Continue comme ça, super. Merci beaucoup. Voici ma petite page comme tu le vois. Je suis plutôt mixed media, vintage et le shabby mais pas trop chargé. J'espère que ma création te plaira. Plein de bisous et un gros câlin, Fifille. Je lui ferai un gros câlin, malgré que Fifille n'est pas sage du tout en ce moment. Voilà. Fifi, en ce moment, fait la vilaine. Elle tape Tango. Voilà, mon petit vieux. À chaque fois qu'elle le voit, ben, elle siffle dessus et elle le tape. Donc pourquoi, on n'en sait rien. À chaque fois qu'elle passe à côté, ben, avec sa patte, elle le tape. Et ce matin, elle courait, donc comme d'habitude avec Jerry, elle court dans l'appartement, ils font des courses-poursuites. Et ce matin, elle l'a chopé et elle ne voulait pas le lâcher. Et Jerry a pleuré parce qu'elle devait lui faire mal. Elle devait avoir mis ses griffes. Donc je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle s'en prend beaucoup à mon petit pépère, à mon petit vieux. Et ce matin, elle s'en est pris à Géry. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, en ce moment, elle est vilaine, Fifille. Alors, est-ce qu'elle sent qu'on est en train de déménager, enfin, le déménagement, qu'elle sent qu'il y a quelque chose? Ah oui, t'es vilaine en ce moment. Quoi? Donc, papa, il n'est pas content, maman, elle n'est pas contente parce qu'elle tape ses copains. Hein? Voilà. Bon, enfin, alors la petite carte que Nanny Scrap a fait, voilà, toute mignonne. J'aime beaucoup avec des papillons. Et la carte du concours qu'elle a fait, donc en vintage. Ouais. Voilà. Donc elle m'a mis bien tous les renseignements qu'il fallait mettre derrière. Comme, alors je suis désolée, hein, la caméra est rangée hein, maintenant. Donc voilà.
Mais pour le tirage au sort, je vous ferai des photos de toutes les cartes que je mettrai en début de vidéo avant le tirage au sort. Comme ça, vous les verrez toutes bien en lumière. Donc voilà, avec un petit ruban de perles, des petites fleurs, des demi-perles, un petit tag avec un petit personnage vintage. Voilà, une petite libellule. Il y a du tamponnage. Tout mignon. Tout vintage à souhait. Voilà. Attends, Fifi, je vais récupérer juste l'enveloppe. Donc, Nanny Scrap, merci beaucoup et j'aime beaucoup ta carte, ta grande carte et la carte que tu m'as faite. Merci beaucoup. Bon, je la remets dedans pour le tirage au sort. Hop, on va la mettre sur le côté. La deuxième vient de Cindy. On va. Je suis désolée, je n'ai pas ouvert les enveloppes avant. Je n'ai pas eu le temps pour en ce moment. C'est la course. Hier, ça téléphonait pour les ouvertures de compteur. Oh, il y a une perle qui est tombée. Je suis là. Je récupère juste la perle. Voilà. Je la recollerai. Ah oui, j'ai vu où elle est tombée. Je vais la mettre dans l'enveloppe. Je la recollerai. Il y en a une deuxième qui est tombée, mais elle, je vais être dans l'enveloppe, certainement. Oui. Voilà. Avec une Gorgus. Voilà. Je crois que c'est les Gorgus aussi, hein, ça. Si je ne me trompe pas. Donc, toute mignonne, dans les tons violets. Les petits oiseaux. Les petites fleurs. J'adore ces petites fleurs d'action, là. J'en ai et je les aime beaucoup. Les petits tamponnages aussi, la dentelle, un petit coucou en tamponnage, donc un petit mot derrière en plus des petits renseignements. Donc son Facebook et son YouTube, c'est Tite Lily. Voilà, je cherchais. C'est vrai qu'avec vos vrais noms, des fois, je connais plus par vos pseudos que vos vrais noms. Donc c'est ça, c'est bien une Gorgus. Donc j'espère que tu vas bien. Voici ma carte de la participation au concours. J'espère qu'elle te plaira tout à fait. Je n'ai pas de style, mais j'aime les Gorgus. Je te fais de gros bisous et te dis à bientôt. Bisous, Cindy. Bon courage pour ton déménagement. Merci. Il m'en faut. Merci beaucoup. Elle est très jolie ta carte. Donc je recollerai la perle qui est tombée. Il n'y a pas de souci. Et par la poste, hein, souvent, c'est un peu. Ça bouge un peu. Hein. Alors là, c'est qui? Gervaise. Donc, sûrement, ton pseudo est à l'intérieur. Certainement. Ça va, le soleil est arrivé, il fait beau. Alors, ouh, il y a plusieurs choses. Il y a des petits papiers. Il y a des découpes. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. On a bien emballé sa carte. Avec des minous, des petites filles. Regardez. Avec des filles. Et des petits papillons. Donc, c'est Gervaise. Elle n'a pas de YouTube. Donc voilà, pour ça, elle n'a pas de pseudo. Donc, je n'ai pas de YouTube, je suis sur Facebook. J'espère que cette carte vous plaira. Dites-moi tu, les filles, c'est mieux. Je me suis lancée dans le scrap grâce au tuto que vous et d'autres filles
mettez sur YouTube. Je vous en remercie car maintenant je fais mes propres cartes d'anniversaire et autres fêtes. Ah ben c'est super, c'est très bien. Je continuerai de vous suivre sur votre chaîne. Bon scrap et à bientôt. Eh bien Gervaise, merci beaucoup. Et en tout cas, ce que tu fais, c'est très très joli. J'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ton style. Merci beaucoup. Alors, on va regarder les petits cadeaux que tu m'as rajoutés. Donc, elle m'a mis des petites découpes. Voilà. Donc, il y a des petits papillons. Il y a des petites fleurs. Il y a des mini, mini, mini chats. Regardez. Hop là. Vous voyez? Tout petits chats. Ouais, ils sont super. Il y a des petites barrières, des petites mains, des petites fleurs. Et là, il y a des petites fleurs comme ça. Alors, j'ai l'impression que c'est toi qui les fais. Ouais, je pense que c'est des fleurs que tu fais toi-même. Tu me diras en commentaire, Gervaise. Je vais regarder ça de plus près, mais je pense que c'est des fleurs que tu fais toi-même. Parce que je reconnais le petit bouton du milieu. Regardez. Ouais. Et derrière, c'est une petite découpe en papier. Donc, elles sont magnifiques. Une petite verte. La rouge, vous la verrez mieux peut-être. En... Voilà. Et il y a un petit chat qui s'est collé dessus. Hop, on va le remettre dans sa petite pochette. Voilà. Ouais, ça, c'est des... Ça doit être des fleurs que tu fais toi-même. Mais elles sont magnifiques. Elles sont super belles. Merci beaucoup. Alors, le deuxième petit cadeau. C'est un ATC. Il est magnifique. Alors, ben, je ne sais pas si je vais le déballer. On va voir si vous voyez bien. Ça reflète. Hein. Bon, je vais quand même essayer de le déballer parce qu'avec la webcam, ça reflète un peu. Voilà. Oh, il est super beau. Ben écoute, c'est super beau ce que tu fais. Voilà. Avec des petites fleurs. Je suis désolée hein, pour les reflets, les filles, mais... Donc... le thème, c'est le printemps et elle l'a fait le 20 mai 2018. C'est le 2 sur 4. Il est super joli. Il est très très beau. Alors, je pense que pareil, les petites roses que tu as mis dessus en papier, confirme-moi, mais je pense que tu as dû les faire toi-même. C'est vraiment très très joli. On va la remettre dans sa petite pochette pour pas l'abîmer. Et après, elle ira dans mon classeur d'ATC. Il n'est pas encore dans un carton celui-là. Donc, et elle m'a mis du papier. Alors que, je sais plus comment on appelle ça. C'est comme un papier tissé, mais. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, elle m'a mis un rayé comme ça. Un avec des papillons. Je vais montrer en double, on verra peut-être un peu mieux. Un avec des roses. Voilà. Je ne sais plus comment... Je connais, hein, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Avec des tournesols. Encore avec des roses, mais là elles sont vertes. Je crois que j'ai pas montré celui-là. Si je l'ai montré, les papillons. Et un avec des cerises. Voilà. Bah, merci beaucoup pour les petits cadeaux. Voilà.
pour la remettre. Comme ça, je vais mettre avec l'enveloppe et je mettrai tout en place. Merci beaucoup Gervaise, j'aime beaucoup ta cape et les petits cadeaux supplémentaires. Alors, ici, qui c'est? C'est Claudette. Alors, Claudette. Alors là, elle m'a mis dans un carton, pour pas que ça s'abîme. Donc, on va essayer de le déballer pour pas que ça s'abîme aussi. Ce serait ballot. C'est là que je me dis, j'aurais dû ouvrir avant. Oh. On va essayer de ne pas se couper les doigts au passage, j'en ai encore besoin, surtout en ce moment. Hop. Donc, dans du papier de soie, avec un joli ruban, qui va être récupéré. Comme on dit dans le scrap, rien ne se perd, tout se récupère. Oui, je suis en forme, je fais des verres. En ce moment. Même le papier de soie se récupère. Alors, je vais bien emballer. Hein. Alors. Ouh, que c'est joli! Oh, que c'est joli. Du chabi. Ah ben décidément, les perles ne veulent pas tenir. Bon, ça y est. Je remettrai. Donc voilà, ça va là. Ça y est. On va mettre un petit point de colle. Pas de souci. Alors. Sur YouTube, le pseudo, c'est Claudette 08 et sur Facebook c'est Tata Clo. Voilà une jolie carte chabi. Voilà. Tout en rose et en vert pâle, vraiment très très joli avec des jolies fleurs ici. L'embellissement en métal, la petite dame chabi, le petit camé qui va bien, les petits demi-perles strass, très très belle. Bah écoute, je regarde pour rien. Peut-être, merci beaucoup. Désolée. Alors, je reviens vers vous. Désolée, hein, j'ai laissé mon téléphone brancher parce que en ce moment, il y a souvent des appels par rapport à la maison et tout. Donc, voilà. Pardon. Donc, je disais que Claudette, merci beaucoup pour ta carte. Elle est très, très belle. Et moi, le chabi, j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, vous savez, hein, moi, j'aime beaucoup le chabi, le vintage, le steampunk, tous ces styles-là. Enfin, de toute façon, j'aime tout. Voilà. Alors, là, c'est Audrey. Alors, on va ouvrir. On reconnaît les enveloppes bulles, hein. Les enveloppes bulles d'action. D'ailleurs, il faudrait que je vais en rechercher parce que moi, j'en ai plus beaucoup. J'ai surtout été chercher des rouleaux de bulles. Il y a des cartons partout dans la maison. Là, ça fait vide parce que j'ai enlevé tous mes cadres. Ah, il y a une petite carte avec un petit mot. Voilà. Alors, on va d'abord regarder le petit mot. Ah, dans plusieurs cartes. Alors. Déjà, il y a un petit paperclip comme ça, tout mignon.
fait avec des tamponnages et des demi-perles. On va lire le petit mot. Alors, c'est un grand mot. Alors, voilà ma participation à ton concours des 2000. Oui, tu avais dit une carte, alors en voilà trois. Oui, alors comment je fais, mes mères? Je blague, ma belle. Mais comme je te l'ai expliqué, j'ai pas de style prédéfini. Je me laisse aller comme ça, me vient selon mon humeur. De plus, mon truc, c'est les mini-albums, oui, et les junk journal. Les cartes, je galère. Oui, tu me l'avais dit. La première carte me plaisait sur l'idée, et une fois réalisée, je l'ai trouvée trop jaune, mort de rire. La deuxième carte, je l'ai réalisée avec tout ce que j'avais trouvé sur un salon créatif. Et patatras, au résultat, je me suis dit... Elle est sympa, mais trop masculine pour le concours de Didith. Je suis donc passée à la carte numéro 3. Mais afin d'arrêter de t'en faire 350, ouais, valait mieux, je me suis forcée à rester dans ce que j'aimais, les fleurs et les brillants. Mon style, c'est ça. Toujours une ou deux fleurs et surtout du qui brille. Ce sera donc sur celle-là que tu trouveras toutes les infos demandées. J'espère que tes soucis s'éloignent de toi gentiment, mais sûrement. Je sais que quand ça touche au sous-sous, ça nous mine profondément. Mais c'est une belle année pour toi, mariage, déménagement, retenons ces nouveaux départs heureux. Je t'embrasse et pense bien à toi. À bientôt, Audrey. Ouais. Ben, merci beaucoup. J'ai eu plein de cartes. Alors, ma belle, tu me poses un problème. Parce que, je vais te dire pourquoi. Alors, tes cartes vont aller quand même dans le concours. Hein. Tu vas aller dans le concours. Mais tu m'as pas fait une carte A5. Voilà. Là, c'est une carte, je ne sais plus la mesure. Oui, tu ne m'as pas fait une carte à 5. Je te montre. Donc, tu me poses un problème, ma belle Audrey. Voilà, je te montre. À 5. Et je te montre la tienne. Voilà. Toi. Et du coup, tes trois cartes, bon, peut-être les trois cartes réunies feront une A5, mais du coup, tu n'as pas fait de carte A5. Mais bon, je vais quand même montrer tes cartes. Tu seras quand même dans le tirage, puisque c'est par tirage au sort, tu seras quand même dans le tirage au sort, mais tu n'as pas fait du A5. La fessée. La grosse fessée. Alors, allez, on va regarder. Qu'est-ce que tu as marqué? Thème préféré, le shabby, le vintage. Voilà. Alors, son nom sur YouTube, c'est Audrey sans nom. Voilà. Donc, voilà la première, la carte qu'elle a dit qu'elle préférait faire. Je crois que c'est celle-là, oui, puisque tu as marqué tous les renseignements dessus. Donc voilà, avec des petites fleurs, avec des qui brillent, des petits hello. La deuxième, voilà, avec un petit papillon, des petites fleurs, il y a des qui brillent aussi. Et la troisième, que tu trouves masculine. Et moi, je dirais plutôt, ben justement, style steampunk. C'est pas vraiment masculin. C'est du steampunk. Sans le vouloir, tu as fait un peu de steampunk. Voilà. Avec du qui brille. Puisque tu as fait avec des rouages. Voilà. Tu as fait des rouages.
Et donc ça ressemble un peu au steampunk. Même le monsieur est de style steampunk. Voilà. Donc voilà. Donc tu m'as vu faire trois cartes. Elles sont super jolies. Mais tu m'as pas fait du A5. Viens chez moi que je te donne la fessée. Allez, on va les mettre dans l'enveloppe. Ton petit mot. Le petit paperclip. Qui ira dans mon planeur. La suivante et la dernière. Voilà. Brigitte. Aïe. Une ch'ti. Une main coin. Coin, coin. Une ch'ti de main coin. Enfin, Caudry, c'est plus mon futur coin. C'est pas ici. Hein. C'est plus. Enfin, c'est pas encore mon coin d'où je vais, mais ça va être plus quand même par là. Oh, du chablis encore. Super. Alors, bien emballé aussi. Donc, on va enlever son plastique pour pas que ça brille à la caméra, enfin à la webcam. Ah. Pourquoi il y a. Ah oui, parce qu'il y a un petit mot. Donc, on va enlever délicatement sans rien abîmer. Pour le petit mot. Alors, son pseudo sur YouTube, c'est Brigitte Scrap. Vous connaissez peut-être. Alors, chère Edith, je suis ravie de participer à ce concours. J'espère que cela te plaira. Je voudrais faire un échange d'ATC avec toi. Alors, les échanges, je vais dire tout de suite, les échanges, ça ne va pas être pour tout de suite, les filles. Je sais que je suis. Il y a qui. Alors, d'ailleurs, sa carte est derrière moi encore. C'était qui. J'ai gardé. Je ne l'ai pas emballé parce que je veux me souvenir de qui c'est. Alors, attendez, je regarde son ATC. Dali SJ. J'ai pas encore fait parce qu'elle m'a demandé de faire un échange aussi. Et c'est pour ça que je l'ai gardé sous la main. Et là, pour l'instant, il n'y aura aucun échange. Vous comprenez bien, les filles. Moi, tout mon matos est emballé. Donc, je ne peux rien faire. Mais promis, dès que le déménagement est fini, dès que mon atelier est réinstallé, il n'y aura pas de souci. Mais là, pour l'instant, rien, hein, pas d'échange. Je ne peux strictement rien faire. Mais promis, donc on ne va pas dire en juillet, parce qu'il va me falloir du temps pour réinstaller l'atelier, ça c'est sûr. Mais à partir du mois d'août, je pense qu'on pourra refaire des échanges si vous le voulez. Donc on va peut-être commencer ouais, par des ATC, ce qui est petit. Voilà. Donc à partir du mois d'août, je me remettrai à jour sur les échanges. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, voilà, j'avais pas fini la phrase, ce que tu dis. Donc, je voudrais faire un échange d'ATC avec toi, mais pas tout de suite, quand j'ai vu que sur une de tes vidéos que tu vas déménager. Donc, voilà. Donc, ce sera pour plus tard. Si tu veux bien, merci d'avance. Voilà, je viens de te donner la réponse, donc il n'y a aucun problème. À partir du mois d'août, normalement, ça devrait être bon. Mais par contre, venez pas tout en même temps, hein. Ça va être chacun son tour. Alors, je te souhaite un bon déménagement à tous les deux et bon courage car il en faut du courage et des bras. Oui, ben, je vais avoir les bras de mon fils qui va nous aider. Et donc ça va aller. Et embrasse Fifi pour moi. Pas de problème, j'embrasserai. Malgré qu'elle ne le mérite pas. Là, elle dort. Elle boude. Comme on l'a punie, elle boude. Donc voilà sa carte. Toute mignonne.
Je vous la montre. Donc, alors, elle a une chaîne, mais je ne fais pas de vidéo. Au nom de Brigitte Scar. Alors, tu devrais faire des vidéos. Pourquoi tu n'en fais pas? N'aie pas peur, on ne va pas te manger. Tu peux faire des vidéos. Donc, voilà. On ne voit pas bien les couleurs, hein, peut-être en m'éloignant un peu. Voilà. Du qui brille, de la dentelle, des fleurs en satin. Pareil, je pense que ça, c'est une fleur que tu as fait toi-même, parce que le bouton au milieu, c'est un bouton qui me dit quelque chose. Il y a une fleur dentelle aussi derrière qui vient très certainement d'Action. Voilà. Bon, très très joli. Là, un petit bouton, un petit cœur, des strass. Voilà, la petite fleur dentelle. Très très joli également. J'aime beaucoup. Donc tu m'as mis tous tes renseignements. C'est très bien. Super. Merci beaucoup. Merci pour le petit mot. Je vais le remettre. Je vais le réaccrocher dessus. Voilà. Et remettre la carte dans son petit plastique. Voilà. Hop, tout de suite. Bah, écoutez les filles, merci beaucoup. Là, le facteur est passé aujourd'hui. Donc là, les cartes, je les ai reçues aujourd'hui. J'en aurai plus pour l'instant. Enfin, peut-être demain. Hein. Mais du coup, elles seront montrées la semaine prochaine. Je ne sais plus. La semaine prochaine, on sera le 29. En sachant que le 28, j'ai les clés de ma maison. Alors, en sachant. Alors, attends, je vérifie ce que j'ai de prévu. En sachant que le 29, je regarde sur mon téléphone. Vous avez vu mon téléphone? Il est beau, hein? Il est en lapin. Regardez. Mon coq est en forme de lapin. En sachant que là, bon, pour l'électricité, j'ai pas besoin d'être présente, donc ça va. Mais j'ai le docteur du matin. Bon, je vais, mais on m'arrive à travailler, donc on sera certainement, je serai certainement ici. Donc je pense que j'aurai le temps de vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer les cartes que j'aurai reçues sur la semaine. De toute façon, ne vous inquiétez pas. J'arrive toujours à trouver un petit trou. Voilà. Je vous remercie pour ces jolies cartes que j'ai reçues. Je crois que c'est bon. Voilà. Un petit mot. Sur mon Facebook, j'ai ma boutique Facebook qui est encore ouverte. Mais qui comment? Que j'ai pas encore mis le message, mais je vais le mettre aujourd'hui. Là, qui va être fermé temporairement, puisque j'ai commencé à envoyer des choses chez mon fils. J'ai commencé à déposer des cartons chez mon fils, qui habite la même rue où j'ai la maison. Donc, on a déjà déposé des cartons là-bas. Et les premiers cartons qu'on a déposés, c'est des cartons de mon atelier. Donc, ils ont été déposés là-bas. Et il y a les articles que je vends dans ma boutique. Donc, qui sont chez mon fils. À part deux, trois articles qui sont encore ici, du coup, je ne prendrai pas de commande sur cette boutique. Bon, malgré que. On ne court pas beaucoup dans ma boutique, hein. Mais bon, je verrai, dès que je vais être réinstallée, je vais la refaire marcher bien, cette boutique, parce que bon, il faut qu'elle fonctionne. Il y aura du matériel, il commence à arriver, un, deux, trois, il commence à arriver un petit peu de matériel, là, et après, il y aura un peu plus de matos qui arrivera pour la boutique, voilà. Chouette qu'elle fonctionne pour que vous ayez un peu de matériel. Voilà.
Donc, il y aura des tableaux d'équipe de Diamond Painting. Là, il commence à y avoir des perles. Il y a mes créations aussi. Il va y avoir un peu de choses. Voilà, il y aura des apprêts pour les bijoux. Il y aura des choses pour le scrap. Mais bon, tout ça sera vraiment remis en place à partir du mois d'août, je pense. Mais on en reparlera dans une vidéo. Voilà. De toute façon, l'adresse est toujours en dessous de mes vidéos, la boutique. Voilà. Et c'est pour ça que personne n'y va. Et ça n'intéresse personne. Mais bon, là pour l'instant, du coup, je vais mettre un mot comme quoi il n'y a aucun envoi qui ne peut être fait. Donc, la boutique rouvrira ses portes au mois d'août. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt. Je vous ferai, du coup, dès que j'ai les clés, je vous fais une vidéo de la maison là-bas. Là, je vais certainement vous faire un petit vlog de vous montrer le boxon qu'il y a, la préparation du déménagement. Puisque je ne peux pas vous faire d'autres vidéos, hein, je vous l'avais déjà dit. Hein, là, pour l'instant, pas de tuto, rien. Pas de vidéo de création, rien du tout. Donc, pour garder le contact, je vais vous faire un petit peu de vidéo sur la préparation du déménagement, sur le déménagement. Voilà. Allez, on est déjà à 40 minutes de vidéo pour rien que vous montrer les cartes. Je suis toujours aussi bavarde. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, donc je vous rappelle que j'ai rallongé le concours, hein, jusqu'au 15 juillet. Et que vous pourrez me demander ma nouvelle adresse d'ici quelques jours. Donc à partir de la semaine prochaine, vous pourrez me demander ma nouvelle adresse pour envoyer vos cartes. Mais là, pour l'instant, jusqu'au 7 juillet, vous pouvez toujours m'envoyer ici vos cartes. Ça, il n'y a aucun problème. Et à partir du 7 juillet, on dormira là-bas. Donc, vous pourrez me demander ma nouvelle adresse dans ce cas-là pour envoyer vos cartes à la nouvelle adresse. Voilà, donc là, vous me demandez par email. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous avez du soleil. Profitez-en. Bon week-end à tous. Et à bientôt. Je vous aime tous. Gros bisous. Je cherche ma souris pour fermer la vidéo.